de Henri Nanfis, c'est quand même une personne ressource sûre que nous avons dans l'émission. Mais entre-temps, en tant que discours Henri Nanfis, nous, après 1986, le CNG prend pouvoir, prend pays, prend contrôle pays après départ Jacques Duvalier. Henri Nanfis. Conseil national de gouvernement. Proclamation. Depuis bien des mois, notre pays connaît une situation exceptionnellement grave qui, loin de s'améliorer, a fini par le placer en face d'un péril imminent menaçant jusqu'à l'intégrité de la nation. Dans toutes les provinces, ce sont des manifestations populaires au cours desquelles le manque de maîtrise des uns ou l'incompréhension des autres a maintes fois occasionné d'innocentes victimes et fini par créer un état d'agitation qui, tout en faisant miroiter le spectre effrayant de la guerre civile, paralyse presque la vie nationale. Les forces armées d'Haïti réitèrent à la nation que, maintenant plus que jamais, elles ne nourrissent aucune ambition politique et demeurent au service des intérêts supérieurs de la patrie. Vive la nation haïtienne, à tout jamais unie. Fait par le national, ce 7 février 1986. Lieutenant-général Henri Nanfis, Forces armées d'Haïti, président. Colonel William Regala, Forces armées d'Haïti, membre. Colonel Max Vallès, Forces armées d'Haïti, membre. Ingénieur Alix Idea, Forces membre. Monsieur Maître Gérard Gouf, membre. Colonel Prosper Avril, Forces armées d'Haïti, conseiller. Merci beaucoup. Voilà. Général Jean-Henri Nanfis. Me songe Henri Nanfis son nèg qui était toujours son franc plaisir, son nèg qui t'a enjoy. Me songe Bria. Hein, dans do ti post Matissan. Hein? Là, monsieur était toujours comme si Alain Jolly. Nèg qui était toujours sous clairel do, hein. Nèg qui était un vivant, un viveur, un jouisseur. Henri Nanfis, en tout cas, paix à son âme, l'aller. Et par contre, moi, mon petit Jean, je cherche des mouns vrais qui sont impliqués pour aider des pays à avancer. C'est vrai que je n'ai pas jamais une histoire véritable sur Henri Nanfis. Je n'ai pas jamais presque rien sur des mouns qui vivent dans le pays, qui servent le pays. Même parce que faut nous écrire en pile. Et pendant que je prends ça comme prétexte, la mort Henri Nanfis. Pour que effectivement nous cherchions gagner plus de données, qu'on ait plus. En tout cas, monsieur parle encore. 2018 et 86 l'année, Henri Nanfis, monsieur Mouri, monsieur Mouri en République Dominicaine. Mais il faut me dire que depuis le Henri Nanfis fin prend exil en 1989 avec l'arrivée de Prosper Avril. Et Henri Nanfis pas jamais gagné chance pour le retourner dans le pays d'Haïti selon information que je connais. Parce que je parlais avec un peu de monde qui était proche, monsieur était vivant en République Dominicaine. Et monsieur était passé un bon temps là. C'est vrai que monsieur était servi pays. Hein, mais est-ce que c'est exil que nous avons dit le prend? Le constat est clair, c'est que monsieur était quitté pays. Hein. Mais monsieur pas jamais tourné et ça va là tout pour Gérard Latour qui était ancien premier ministre. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que le fait six coups de pied via Gonaïve, bon, va arriver confirmer ça bien sûr. Mais Henri Nanfis pas jamais gagné chance tourner. Henri Nanfis c'était
un général l'armée d'Haïti que l'était après départ Jean-Claude Duvalier, ces jeunes militaires là ont été remettre et pouvoir ont abral formé et CNG Conseil national du gouvernement qui était gagné dans militaire avec civil n'a pas songé au nom on figure un personnage qui jusqu'à présent toujours est en d'un pays et c'est Gérago qui lui-même te fait partie de CNG Conseil national du gouvernement nous dans l'année 86 conseil là et Tabral essayer ouais comment il est capable de stabiliser pays après départ Jean-Claude Duvalier Tabral gagne référendum qui fait nous songe le 29 mars 87 côté que nous Tabral gagne une nouvelle constitution la constitution de 1987 Tabral gagne Henri Nanfi qui stabilise tête linette les mêmes au pouvoir possibilité pour de gagner élection pas gagner et élection ont été écrasé après bon entre guillemets massacre réel vaillant élection écrasée et malheureusement dans pile